那当然就是说这个，就包括我个人的这个背景，当然今天的这个我们在谈论的很多的这个主题，当然现实，我觉得跟这个作品跟现实是也是密切相关的，对。Au fond, ce qu'essaye de poser Wang Yongping dans cette grande exposition, c'est quel est le moteur de la succession des sociétés et des civilisations? Pourquoi est-ce que les entreprises du monde se renouvellent, s'effondrent et voilà. Et cette clé, c'est forcément le désir qu'a chacun de porter à un moment donné le chapeau de Napoléon. C'est intéressant de voir que cette exposition est pleine de signes et de symboles. Par exemple, le serpent est un immense jeu de go qui entoure un territoire. Les containers peuvent être regardés également comme des pièces de mahjong. Et le chapeau de Napoléon, c'est également le jeu d'échecs. Voilà trois éléments qui montrent que ce sont des jeux de pouvoir et de stratégie qui font le spectacle de la mondialisation. Et enfin, j'ajouterais que, évidemment, les containers, c'est ce qui transporte la fortune, mais c'est également ce qui transporte ou protège les infortunés. Et cet esprit passe, ce jeu entre les deux intéresse forcément un artiste comme Wang Yongping. Ce que je pense que c'est important, c'est que nous ne devons pas trop simplement de faire toutes les choses, soit nous devons être bêtes, soit nous devons être bêtes. Je pense que dans les bêtes, il y a des bêtes, dans les bêtes, il y a des bêtes, très bêtes. Le premier défi de n'importe quel artiste qui fait Monumenta, c'est de répondre à l'architecture incroyable de la nef et d'y répondre non seulement plastiquement, puisque c'est un des plus grands espaces d'exposition au monde, mais aussi symboliquement, puisque c'est un symbole de la révolution industrielle. Et c'est à ça que l'artiste a voulu répondre en faisant, lui, une grande installation qui évoque la mutation des révolutions, des civilisations, et en montrant un paysage du monde mondialisé d'aujourd'hui. Quand on est au niveau du bas, comme ça, quand on circule le long des containers, on a vraiment cette impression que quelque chose au-dessus de nous nous oppresse, nous dépasse. Alors que quand on prend un peu de distance et on voit un petit peu en hauteur, on a l'impression d'assister à une forme de bataille, comme ça, comme si on était sur une colline de loin. Et on se sent assez en sécurité et impuissant. Maintenant, je trouve que c'est très réussi, ça me plaît beaucoup. Oui, c'est un peu zen aussi, il y a quelque chose de méditatif, donc ça j'aime bien.